Nous l'avons vu étincelant au bar parallèle. Le voici qui se présente à la barre fixe, Roustam Sharipov. Alors attention, il y a un lâcher qu'il maîtrise particulièrement bien, c'est le franchissement dorsal Katchev. Et souvent, il les enchaîne, non pas par dizaines, mais en tout cas par trois ou par quatre. Il commence par un Gaylord, salto avant carpé au-dessus de la barre. Un catch-off. Un tout petit peu loin, il n'a pas enchaîné tout de suite. Deuxième catch-off. Ah, il est un petit peu loin à distance pour les enchaîner, mais en tout cas, elles étaient superbes d'amplitude. On prépare la sortie. Triple arrière. Sharipov qui fait un triomphe ici à Bruxelles. Qui dessine haut dans le ciel des figures d'une rare amplitude. Le triple arrière en sortie. Nous en profitons pour souhaiter une très heureuse... Oh, d'ailleurs, on ne va pas se quitter tout de suite. On va tout de même prolonger sur Sharipov à la... barre fixe, ce n'était pas prévu, mais sans doute va-t-il nous proposer cette fameuse figure qu'il a. Oui, parce qu'il m'a fait mentir tout à l'heure. Vous voyez, oui. Trois, on les compte. Regardez, quatre, je vous le disais, il les enchaîne. Vous voyez, quatre, et c'est pour ça qu'il a tenu pour les spectateurs à repasser. Eh bien, voilà un fort beau final.